Salut tout le monde, je suis Sophie. Ma mère m'a élevée comme une vraie dame. Elle m'habillait, me mettait des rubans dans les cheveux, et elle me mettait même du maquillage pour enfants. Ma chambre était pleine à craquer de poupées, de boîtes roses et d'autres choses mignonnes. Bien sûr, je pratiquais aussi le sport le plus féminin qu'elle avait pu trouver. T'as déjà deviné ce que c'était ? C'était le patinage artistique. Puis j'ai grandi, et rien n'a changé. Tout le monde autour de moi pensait que j'étais une vraie beauté. Tout le monde, sauf lui. La première fois que j'ai vu ce type, c'était pendant un entraînement. Notre temps sur la glace était terminé, et les joueurs de hockey ont pris la place. Je suis tombée sur le capitaine de l'équipe, et je lui ai souri. Mais j'ai eu l'impression qu'il ne m'a même pas regardée. Mais je n'allais pas abandonner comme ça. Je suis sortie du bâtiment, et j'ai attendu le capitaine dehors. Enfin, j'ai entendu sa voix. Je me suis redressée, et je suis partie le voir. Mais à ma grande surprise, au lieu du beau mec dont j'étais tombée amoureuse au premier regard, j'ai vu un mec avec des piercings, une veste en cuir et des bottes militaires. C'était 100% le même gars, mais il avait l'air bizarre. J'ai décidé de venir le saluer quand même. Bonjour, je suis Sophie, une des patineuses artistiques. Bouge, Barbie. Ah, quelle impolitesse! Il ne m'avait même pas regardée. Je vais être honnête, j'étais blessée dans mon amour-propre. Je rentrais chez moi à pied et j'imaginais ce mec insolent en train de me supplier d'avoir un rendez-vous, seulement pour que je saute dans une belle décapotable et que je parte avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. On se croisait aux entraînements, mais c'était tout. Il n'a même pas regardé dans ma direction. Son indifférence me dérangeait. J'ai entendu ses amis l'appeler Rick, et je suis retournée dans la zone d'attaque, comme on dit au hockey. Rick, peut-être que tu peux m'apprendre à jouer au hockey après l'entraînement. Je vais t'attendre. Me fais pas rire. Le hockey, c'est pas comme ta danse sur glace, là. Tu pourrais te blesser, tu sais. J'ai pas peur. Je ne suis pas assez con pour être responsable de toi. Tout ce qu'il disait me blessait, mais j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. Après tout, j'ai toujours aimé les bad boys. J'ai donc décidé de changer de style. Le soir même, mon amie Sarah m'a teint les cheveux en vert et j'ai eu un piercing. Après ça, on est parti faire du shopping et on a acheté plein de nouveaux vêtements que je n'aurais même pas regardé avant. Mais maintenant, j'avais des vêtements noirs en cuir avec des pointes dans ma garde-robe. Quand j'ai tout mis, Sarah a crié « Waouh, t'es incroyable !» J'espérais que Rick aurait la même réaction. Après l'entraînement, je lui ai de nouveau tendu une embuscade à la porte. Dès qu'il est sorti, j'ai enfoui mon visage dans mon téléphone et j'ai fait genre que je ne l'avais même pas vu. Et ça a marché. Il s'est approché de moi tout seul et m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» J'avais oublié mon téléphone dans les vestiaires et je suis revenue le chercher. « Je vois que t'as changé de look. Si tu veux mon avis, ça te va mieux. » J'ai hoché la tête. Ma froideur a piqué l'intérêt de Rick. Quand il m'a proposé d'aller nous promener, j'étais prête à sauter de joie. Mais ça aurait tout gâché, c'est sûr. Donc j'ai juste souri et j'ai donné mon sac lourd avec mes patins à Rick. Rick était tellement cool en vrai. On a parlé de plein de trucs. Puis Rick m'a raccompagnée à la maison. J'étais tellement excitée que j'en ai même oublié mon apparence. Et j'ai laissé ma mère me voir comme ça. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Je me sentais mal à l'aise. En essayant d'attraper l'attention de Rick, je n'avais pas du tout pensé à ce que maman dirait. J'étais sûre qu'elle allait m'engueuler. Puis elle a changé de ton. Non, ne dis rien en fait. Tu es déjà adulte. Je devrais pas essayer de te forcer à faire quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à ça de ma mère. Donc j'étais vraiment heureuse. Je suis allée dans ma chambre, je me suis regardée dans le miroir et j'ai rigolé. Dans ce royaume rose, je ressemblais à une méchante sorcière qui s'était emparée du château de la princesse. Je suis partie me coucher, mais j'ai eu du mal à m'endormir. J'étais tourmentée par des doutes. Est-ce que j'avais bien fait de faire ça? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Après tout, je devrais abandonner beaucoup de choses que j'aimais beaucoup pour continuer à ressembler à ça. Mais le lendemain, Rick m'a distrait de mes pensées tristes. Imagine ça un peu, il m'a encore invité à un rendez-vous. Et encore, et encore, et encore! C'était comme ça qu'il est devenu mon petit ami. Plus on passait du temps ensemble, plus j'aimais son style et moins j'aimais comment j'étais avant. La pièce que j'aimais tant s'est mise à m'agacer. J'ai repeint les murs en gris et j'ai caché mes peluches dans le placard. Assez rapidement, les gens de ma classe ont commencé à m'agacer aussi. Ils se disputaient sérieusement pour savoir s'il valait mieux porter un chapeau rouge avec un trench coat ou juste un manteau ordinaire. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été ravie d'en parler avec eux. Mais maintenant, tout ça me semblait tellement con. J'en ai eu marre de les écouter et j'ai dit « Un chapeau rouge, ça va mieux avec une tête intelligente ». Après cette remarque, mes camarades de classe ont arrêté de m'inviter à sortir avec eux. Mais ça ne me faisait rien. J'avais assez d'interactions sociales sur la glace en parlant à Sarah et Rick. Mais un jour, ma meilleure amie a aussi attrapé la maladie rose. Sarah a soudainement commencé à mettre en ligne des vidéos d'elle-même en train de câliner des ours en peluche et des chansons guignardes sur TikTok. Visiblement, tout le monde autour de moi avait un goût horrible. Je parlais de moins en moins avec Sarah et à la fin, on se disait à peine bonjour. J'ai consacré tout mon temps à Rick et au patinage artistique. Mais un jour, je me suis surprise à penser que j'en avais marre de ça aussi. Ce qui m'énervait le plus, c'était ces robes courtes à strass que la coach nous faisait porter. J'ai suggéré qu'on ferait au moins les entraînements sans ces robes, mais elle a refusé. Ce soir-là, je me suis plaint à Rick. C'est là qu'il a suggéré. Si t'aimes tant passer tout ton temps sur la glace, mais que tu ne supportes pas tous ces trucs féminins, viens chez nous, jouer au hockey. Bah, je vais essayer, tiens. Tu m'aideras pour commencer? Je rigolais. Le hockey, c'est bien trop dur, même pour quelqu'un comme toi.
C'était encore un défi à relever, visiblement. Mais j'ai su l'accepter, et j'ai finalement réussi à convaincre Rick de me donner des cours. C'était tellement dur en vrai. Le puck était tellement petit que je n'arrêtais pas de le perdre de vue. La première séance d'entraînement a été vraiment dure pour moi. Je suis tombée et je me suis blessée au genou. Mais Rick m'a tellement soutenue que j'ai décidé de ne pas abandonner et de réessayer. Après quelques entraînements, je suis tombée amoureuse du sport. J'ai arrêté le patinage artistique et je me suis inscrite dans la section hockey, espérant m'entraîner avec Rick. Mais apparemment, il y avait une équipe féminine à part. Et elles étaient toutes énormes. Franchement, une fois qu'elles étaient en uniforme, on aurait pu croire que c'était des gars. Comparé à eux, j'étais minuscule. Mais je m'y suis très vite habituée. Les filles m'ont beaucoup appris et très vite, je n'étais pas moins forte qu'elles. Je suis rentrée dans des entraînements en me sentant particulièrement heureuse. Après tout, j'avais été officiellement acceptée dans l'équipe. J'étais sur le point de partager ma joie avec ma mère, mais elle n'était pas d'humeur. Sophie, mon patron a emménagé dans la maison d'à côté. Il t'a vu et il était tellement choqué. Ne me fais plus honte comme ça. Enlève ce morceau de fer de ta lèvre et habille-toi comme une fille normale. Pas question. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il arrive. Je ne vais pas faire genre d'être une sorte de poupée pour lui. Avant, tu étais tellement belle. Assieds-toi, je vais faire en sorte que tu ressembles à une vraie personne. Ça suffit! J'ai bondi tellement brusquement que j'en ai renversé la coiffeuse. Maman a commencé à tout ramasser et j'ai couru dans ma chambre. Mais ce n'était qu'un début. Le lendemain matin, maman a pris tous mes nouveaux vêtements et n'a laissé qu'une vieille robe dans le placard. Je devais aller à l'école avec les vêtements que j'avais prévu de mettre à laver. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas dans notre salon. Voici Monica, elle est styliste. Je l'ai engagée pour choisir de beaux vêtements pour toi. Ça allait trop loin pour moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je m'enfuie d'ici ?» Eh bien d'accord. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai sorti ma valise et j'ai commencé à préparer ma fuite. Ça a marché. Maman a eu tellement peur qu'elle s'est dépêchée de dire au revoir à la styliste et est venue se réconcilier avec moi. Mais ça ne s'est pas bien terminé. Et on s'est encore plus disputé. J'ai attrapé mon ordi portable et j'ai couru loin de ma mère. J'avais déjà commencé mon jeu préféré pour me calmer, quand le nouveau voisin m'a appelé par-dessus la clôture. Hé, j'ai une suggestion pour toi. Tu veux nettoyer ma maison pour 10 dollars? Je pensais que je rêvais. Pourquoi il a cru que j'étais une femme de ménage? Nettoie-la toi-même. Pourquoi tu me demandes ça? Mais tu ne nettoies pas au Hilton? Qui t'a dit ça? La propriétaire de la maison. Tu es du service de nettoyage, non? Ah, je comprends tout maintenant. Maman avait tellement honte de moi qu'elle allait même dire que j'étais une femme de ménage. J'en avais assez. C'était une bonne chose que j'avais déjà emballé mes affaires. Je me suis dirigée vers la porte avec ma valise. Quand quelqu'un a sonné à la porte, j'ai ouvert la porte et j'ai vu mon grand-père. Sophie, je suis tellement contente de te voir. Tu es devenue encore plus jolie. Je lui ai fait un câlin hésitant. D'un coup, tous mes plans étaient tombés à l'eau. Papy avait décidé de nous faire une surprise et il était venu passer du temps avec nous. Maintenant, je devais rester à la maison. Je l'ai regretté dès le dîner. Maman a commencé à se plaindre de mon apparence. J'étais sur le point de sortir, quand à ma grande surprise, mon grand-père a pris mon parti. Trop drôle! Voir le visage choqué de ma maman, ça n'avait pas de prix. Elle ne s'attendait clairement pas à ça. Grand-père a continué à me soutenir. Je lui ai donc demandé de venir au stade et d'assister à mon premier match de hockey. Le lendemain, il était là, comme promis. Il a pris place dans le public. Ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Dès que l'arbitre a sifflé, je me suis précipitée vers le puck, en poussant les concurrents avec mes épaules. Mais ils étaient beaucoup plus forts. J'ai perdu le puck de vue, quand d'un coup, il a volé dans ma mâchoire. La douleur était tellement horrible que je suis tombée à genoux. À côté de moi, il y avait une dent. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je me suis réveillée sur un banc entourée d'un médecin, de mon grand-père et de Rick. Je voyais qu'ils avaient peur. Je me suis souvenue de ce qui s'était passé et j'ai fondu en larmes. Mais mon grand-père m'a remonté le moral. On ira chez le dentiste et ta dent sera comme neuve. Mais les choses n'étaient pas si simples. Le médecin m'a donné une couronne provisoire. Sa couleur était très différente de mes autres dents. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai de nouveau fondu en larmes. Ouais, maman serait furieuse. J'ai demandé à grand-père de ne rien lui dire. Mais le soir même, elle est entrée dans ma chambre en criant. Je savais que ça finirait mal tout ça. Regarde-toi. D'abord, tu t'es habillée comme une clodo. Et maintenant, tu rentres à la maison avec une dent en moins. La coach m'a tout dit. J'ai regardé le sol et j'ai marmonné quelque chose. Je n'avais rien à dire. Le hockey était beaucoup plus dangereux que je ne pensais finalement. Grand-père est venu en courant quand il a entendu ma mère gueuler. Pourquoi tu cries comme ça sur Sophie? Tu crois que t'étais mieux quand t'étais jeune? Là, j'ai vu maman devenir toute rouge. Et grand-père a sorti une vieille photo d'elle. Sur cette photo, on voyait maman avec une guitare et une tenue bizarre, des perles et des bracelets d'amitié colorés. Elle ressemblait vraiment à une hippie. J'étais choquée. Maintenant, je comprenais encore moins ma mère. Si elle-même était bizarre plus jeune, pourquoi elle ne me laissait pas faire ce que je voulais? C'est là que maman a tout expliqué. Toute cette période m'a coûté très cher. À cause de mon apparence, je suis devenue la risée à l'université. Mon copain m'a larguée et personne ne voulait m'embaucher. Je ne voulais pas que tu vives la même chose. Je voulais juste te garder en sécurité. Maman, on est au 21e siècle. Personne ne se soucie de l'apparence des autres. Et personne ne m'a méprisée à cause de mes vêtements. Crois-moi, il y a des gars et des filles qui sont bien plus bizarres que moi. On a eu une longue discussion avec maman et au final, on s'est réconciliés. Elle a promis de ne plus me torturer avec des robes et du maquillage.
Peut-être qu'avec le temps, je choisirai moi-même mon style d'avant. Et pourtant, j'avais tort sur une chose. J'avais abandonné mon activité préférée juste à cause des tenues. J'étais même allée dans un club de hockey, alors que je n'aimais pas ça. J'ai décidé de retourner au patinage artistique et ma mère, mon grand-père Eric m'ont soutenue. J'ai commencé à m'entraîner en portant à nouveau cette robe stupide. J'ai enduré, mais un jour, je n'ai pas pu le supporter. J'ai fondu en larmes quand Eric m'a retrouvée après l'entraînement. J'ai une compétition demain et je dois encore la faire dans cette tenue complètement débile. Ne pleure pas, on va trouver quelque chose. Eric ne mentait pas, mais il a proposé un plan tellement fou que je n'ai pas osé l'écouter au début. Mais j'ai quand même trouvé le courage quelques minutes avant ma performance. J'ai enlevé ma petite robe, enfilé mes vêtements habituels, et comme Rick me l'avait conseillé, j'ai fait ma performance comme ça. L'entraîneur, le jury, les concurrents et le public étaient figés. Mes mamans, grand-père et Rick m'encourageaient bruyamment, et c'était la chose la plus importante. J'ai fait ma chorégraphie, et j'ai regardé avec espoir le tableau de bord. 155 points! J'avais gagné! Tout le monde a éclaté en applaudissements. J'ai regardé ma famille et j'ai presque commencé à pleurer de joie. Maman a bondi de son siège et a crié à plein poumon. « C'est ma fille! Ma fille !» J'étais très heureuse. Maman n'avait plus honte de moi. Il n'y avait qu'un seul problème. Qu'est-ce que ma coach dirait? Mais je ne m'inquiétais pour rien. La coach m'a félicité pour ma victoire et m'a proposé de faire du punk mon truc aux compétitions. C'est comme ça que mon nouveau style a changé ma vie. Et toi, t'as déjà expérimenté avec ton apparence? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.